Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine gourmande avec des recettes bien évidemment gourmandes une plus que l'autre. Hein. Et d'ailleurs on commence très très fort aujourd'hui, bien évidemment c'est une idée de chef. De deux chefs. Utavanin, Utavagna est à l'honneur. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, les amis. Hey, ça fait très six longtemps. Mois qu'on s'est pas vu. Six mois déjà. Donc, avec Alessandro Capone et Harold Douet. Vous êtes inséparables hein, de l'équipe. C'est ça. Tandem. Tandem. Et c'est plus facile à deux. C'est toujours plus facile. Oui, bien sûr. Quand on travaille en bonne compagnie, c'est toujours plus agréable de travailler. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Au village, l'équipe? Nous sommes ravis d'être ici. Tout le monde va bien au village. On a passé une super belle saison. Ben, tant mieux. Et d'ailleurs, j'ai appris, vous m'avez dit peu avant l'antenne, que vous vous êtes lancé dans la fabrication des glaces pour le restaurant, car vous avez été, je suppose tous les deux, à l'université de la glace, en Italie. Chez Carpigiani, on est allé apprendre la glace chez Carpigiani, donc allé dans une belle école. Carpigiani, c'est une firme mondiale que depuis des années, oui. Ils tiennent le marché de la glace, et c'est vraiment des chefs artisans qui sont là-bas, qui expliquent les cours. Et on a appris pas mal de choses avec des personnes super qui étaient vraiment passionnées par leur métier, qui nous donnaient des petits conseils, des recettes anciennes. On en sort maître glacier ou... On en sort maître glacier. On a stage débutant, stage intermédiaire et stage expert. Nous, on a commencé encore les débutants, mais bon, vu qu'on avait déjà un peu d'expérience et qu'on est assez créatif, on a réussi à... Mais vous faites les glaces avec les parfums de chez nous, j'imagine. Hein? Exactement. On prend le lait chez Philippe Wilson, les Beurrières du Nebbio, donc c'est le seul produit de lait de vache en Corse. Donc notre glace est fait à 100% de lait corse. Et nous prenons la noisette par exemple chez Charles Forcini. Bon, pour la pistache, je savais qu'il y avait un producteur, peut-être que vous allez m'aider, dans le Cap Corse de pistache. Alors là, on lance la demande, les téléspectateurs vont se manifester, vont nous le dire, parce que je ne le sais pas. C'est Gaudry, cet été, passé au restaurant, il nous a fait un petit article sur l'espèce. On a eu deux pages sur l'espèce, et ça a été son coup de cœur de l'été. Génial. Et donc, toujours, pardon, je vous ai coupé. Donc, on cherche ce producteur de pistache en Corse. On va cherche trouver. Partout, c'est quelqu'un qui peut me renseigner. Pour l'instant, on a la pistache de Bronte, donc de la noisette de Charus Forcini. On fait la fiordilate avec du lait du Nebbio et de la très très bonne crème de haute qualité. Après, on prend des citrons bio, des mandarines bio, et selon la saison, on change un petit peu. Et toujours aussi. Des pâtes maison, des pâtes excellentes. Enfin, je dis ça, je dis rien, parce que je ne les ai toujours pas goûtées. Enfin, je ne les ai pas goûtées sur place. On vous attend. N'enfoncez pas le pic, s'il vous plaît. Déjà qu'on l'a là. Hein. Harold, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle est la recette du jour? On va faire des raviolis aujourd'hui, puisqu'on parle de pâtes. Des raviolis aux escargots. Aux escargots, moi j'adore ça. Et en plus, c'est quelque chose qui est sur la carte. Hein. C'est quelque chose sur la carte, oui. Donc ça a été juste... J'ai trouvé un jour l'article sur le Corse Matin de cette nouvelle, ce nouveau éleveur d'escargots. Qui sont des juste petits gris? Des petits gris, des bourgognes, ils font un peu de toutes les sortes. Mais bon, vu que moi je suis méditerranéen, je suis resté sur les petits gris. Très bien. Donc j'ai lu cet article sur le journal, je suis allé direct chez lui et moi... Quand j'ai un produit comme ça qui sort du lot, j'ai les étoiles bien les yeux. Vous avez envie de le cuisiner immédiatement de suite. Et envie de le cuisiner cet escargot, quoi. Donc, je suis allé à la ferme, j'ai discuté avec ces personnes qui sont très agréables et qui font leur métier avec beaucoup de passion. Ils sont installés l'année dernière. Et ça a matché. Et ça a matché, et justement. Harold, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? On a besoin de quoi, rapidement, pour montrer à nos téléspectateurs? Et la recette, on commencera bien sûr plus tard. Alors, donc, on aura besoin d'une crème au mascarpone, donc... Qu'on a préparée. Va vous l'expliquer... En deuxième partie. Donc, on aura bien sûr les escargots. Mm-hmm. On aura une sauce tomate qui a été parfumée avec ces escargots. D'accord. De la roquette pour la décoration. Un peu de roquette. Un peu d'herbe, de persil, un peu d'ail. Et je vois ici... Des saucisses de cochon de lait. Voilà. Saucisses de cochon de lait, fabrication maison. On a fait nous-mêmes. Ah, ça c'est maison aussi. Hein. Ça c'est maison. Donc ça va accompagner le plat. Exactement. C'est excellent. C'est un plat un peu automnal avec ce temps-là. Oui. Je pense que ça va être parfait. On va se régaler l'équipe. Vous avez vu, on n'est pas seul. Hein. Nos amis sont juste en face. Salut. Salut. Tout va bien? Écoutez, nous ça va. Si vous avez besoin d'un petit peu de zeste de citron, moi j'ai une découverte pop acidulée. Hein, à partir de 12h25, Zanari, il va venir nous présenter son premier album. Ça s'appelle L'écho des vertiges. Avec moi, j'ai le plaisir de retrouver Mathéo et ma petite Faustine. On se met en place et on a froid. On va parler musique. Oui, tout à fait. Ben, moi, je vais vous faire découvrir les nouveaux instruments de musique parce qu'il y en a. Il y en a qui s'essayent à créer de nouveaux instruments. Et vous?
puisqu'on a un chanteur d'origine corse qui chante en français, on va un peu retracer toute l'histoire de la francophonie dans la chanson corse. Mais pas Tino Rossi qui veut. Il n'y a pas que Tino Rossi. D'accord. Bon, et demain, ce sera la journée mondiale du diabète et l'occasion pour nous de faire un point sur cette maladie chronique avec Rosemary Pascolacci et le docteur Gérard. Voilà. Super, l'équipe Benoît, on va vous régaler avec un plat automnal, hein, vous l'avez dit. Donc, ce sont des raviolis aux escargots, mais pas que. Il y a cette saucisse qui est fabriquée vraiment maison. Et vous allez le faire régulièrement, ça? Vous faites... Bon, les saucisses, c'est un plat à part qu'on fait. Donc, on varie. J'ai fait des fois, j'ai fait des saucisses avec des associations avec les huîtres. Ça se fait beaucoup en Charente-Maritime, ça se fait en Angleterre, ça se fait, je crois, c'est au Chili ou au Pérou. Mais donc, on fait des petites associations comme ça, à base de toujours de cochon de lait. Vous n'arrêtez jamais, Alessandro, hein? Je pense que c'est la passion, quand on a ça, et ben, c'est un moteur. Hein. Mais nous, on va être obligés d'arrêter quelques minutes. Je vous laisse en compagnie de Sébastien Luciani pour vous présenter le flash en langue corse, une météo en langue corse également. Nous nous retrouvons à 12h05 pour cette belle recette à quatre mains. Alessandro Harold, même 6, je vais les aider. Allez, on vous souhaite un bon appétit. Si vous êtes déjà à table, on embrasse tout le monde. Je vais les aider. On va commencer tout de suite. Allez. À tout de suite. À tout de suite.